T'as réussi. Voici Ailey et Manta. Ils sont dans la ligue. Salut. Allez, au boulot. Il y a une soirée officielle pour le showdown près de l'observatoire. Tous les médias seront sur place. On va faire un coup d'éclat pour attirer leur attention. Leurs caméras nous suivront jusqu'à l'entrepôt et ça fera les gros titres. On peut y aller. Je viens avec toi. Avec la Ligue, c'est trop génial! Hé, hey, regarde! Je peux regarder les infos sur mon téléphone. Ils ont déjà un journaliste sur place. T'es sûr? On décolle! Merde, j'ai failli me péter les cervicales! Je crois que ça marche! Ah, je crois qu'on tourne un reportage! Faites coucou à Ciao Ciao! Gardons plutôt les mains sur le volant! On a fait assez de dégâts comme ça! Dommage, je commençais à m'amuser! Ok, on a l'hélico de la télé qui nous suit! On sourit aux caméras! Elle avait l'air chiante, cette fête. Pauvre con, vous avez failli toucher ma voiture. Hey, ciao, ciao, c'est de la conduite de précision. Tout le monde va bien? Oui, ça va, ça va. Quelques boissons renversées, c'est sûr. Mais pas de bobo. Ça va, vous deux, Rivera? Impeccable. C'est bien de savoir que tu tiens le rythme. À un endroit intéressant. Bon, la presse a mordu à l'hameçon et on se dirige vers l'entrepôt. On n'a plus qu'à rester ensemble pour maintenir leur attention. Combien de temps on doit tenir encore? Disons 30 secondes. Comment je m'éclate là? Et encore, je t'en dis même pas. Tu en fous un de ces bordels! La deuxième place, c'est pas dans mes habitudes. On y est presque! C'est de l'autre côté du pont! Enfin! Quand les journalistes verront cet endroit, tout le trafic des flics éclatera au grand jour. Ça va être épique! Les flics? Mais comment ils ont? Barrons-nous d'ici, c'est une embuscade! Ça va, Barrière! On la poursuit, en train. C'est parti! Quelques infos, genre marque et modèle, ça nous irait bien. Le véhicule du suspect du Chevrolet Corvette. À vous de jouer, on signale une poursuite en cours. Pour rappel, la nuit est à nous. Tu vois ça? Ils filment l'entrepôt, il n'y a rien dedans. Ils l'ont vidé. Rivera, t'es morte. C'est quoi ce piège à la con où tu m'as entraîné? Pied au plancher, mais je dois quand même distancer. Ça va pas le faire. La Ligue a de la mémoire. Et ça, elle l'oubliera jamais. Je veux qu'on le retrouve. Et puis...
Lucas ! Lucas ! Oh merde ! Non, non, non ! Et tu vas bien ? Enflammé ! Sortez ! Aide-moi à le détacher ! Mais qu'est-ce que... Qui a fait ça ? Je crois que c'est moi. Je sais pas à quoi vous jouez, mais faut se calmer, là. Il faut se calmer. Pousse-toi, Trésor ! Ça ne fait que commencer. Écoutez, il a rien à voir là-dedans. Il peut rien pour vous. Anakayade. Tu sais, il paraît que ton frère était une vraie Dolor en el culo autrefois. Mais toi... Merde. Laissez-les tranquilles, tout vient de moi. Oh, je sais. Crois-moi, je sais, il y a un paquet de trucs dont t'es responsable. Un gros paquet. Vous deux, suivez-moi. Je suis vraiment désolée, Lucas. Je suis désolée. C'est bon. Hé ! Je vais pas vous le dire deux fois. Non. Je vous en prie. Hé, vous les amenez où ? Je les amène juste au poste. Faut qu'on parle. Toi, bouge pas. Je reviendrai te voir plus tard. S'en sortir. Hé, hey, le poste est par là. Où est-ce qu'on va? La ferme. Regardez. Vous l'avez trouvé? Comment? Comment ça, comment? C'était votre piège? Quelqu'un a parlé. Et je veux savoir qui. On dira rien. Tu crois que je rigole? Dites-moi. Vous voulez savoir qui a ouvert sa grande gueule? On dira rien tant qu'on sera pas libéré. Oh, vous allez parler. Parce que je vais vous faire parler. Et vous savez où je vais? Directement chez ton connard de frère. Et on va voir en combien de temps il craque si je me mets à tout péter dans son faux garage de merde. Pousse-toi, Trésor. N'est qu'un début. Où est-ce qu'on peut aller? Je connais un spot. Là, au Camp Nord. Mais évitons de faire trop de grabuge. Cette voiture est encore plus rincée que moi. Hey, Dex. Tu me rendrais service? Ouais, bien sûr, dis-moi. Tu pourrais aller chercher avec tes potes mes voitures au garage des Rivera et les amener à Grand Banque Nord. C'est jouable, mais pourquoi? Les flics nous ont à l'œil, on peut pas retourner là-bas. Les clés sont sur le crochet. Va chercher les voitures, je t'enverrai l'adresse quand tu seras en route. T'es avec Lucas? Ouais. Ok. Je sais où c'est. Et où on va, là? Ça craint rien. Il paraît que tu voles du matériel de police. Torres, ton plan a bien failli nous tuer. Donne-moi l'ordi, ne t'en mêle pas. Tu n'as pas idée de ce qu'il contient. Alors là, tu vas me rendre curieux. Donne-moi l'ordinateur. On se recontacte. C'est tout ? Uh-huh.
C'est pas croyable. Pourtant, je connais bien ce coin-là. C'est quoi cet endroit? Quand ça bardait à la maison, c'est là que je venais. T'as dû venir souvent? Pas depuis la mort de papa. Lucas, tu me racontes? C'était après une course. Pas indispensable, mais j'aimais tellement ça. Et les flics sont arrivés. Ils m'ont embarqué. Ils m'ont laissé téléphoner. Papa a décroché. Je pensais me faire engueuler, ou plutôt, je pensais à ce que j'allais dire. Mais pour la première fois, il y a pas eu de cri. Du tout. Silence. Il raccroche. 3 heures plus tard, je poireaute. Je me dis, ok, il me fait mariner pour que je retienne la leçon. J'ai passé la nuit dans ma cellule à le maudire. À le traiter de tous les noms pour m'avoir laissé là dans cette situation. Un matin, un flic se pointe. Il m'annonce sa mort. Crise cardiaque, un peu après avoir raccroché. Désolé de pas t'en avoir parlé. T'as vécu avec ça depuis tout ce temps? J'avais pas trop le choix. Lucas, tu peux pas t'en vouloir. C'est pas ta faute. Ah, si... Si je m'étais arrêté plus tôt, si je l'avais écouté. C'est trop tard. Tu es ici, avec nous, maintenant. C'est tout ce qui compte. Il y a des gens qui cherchent clairement à nous éliminer. À détruire tout ce qu'on aime. Tout ce que papa a construit. Je les laisserai pas faire. Et toi? Si on veut les avoir, faut au moins faire en sorte d'avoir la voiture pour ça. Ouais. Là, on va pouvoir discuter. Je suppose que ça fait partie du plan. Merci à regarder des vidéos sur nous, là-dedans. Il y en a sûrement d'autres qui peuvent compromettre son opération. Assez pour le faire plonger et pour prouver à la Ligue qu'on n'a rien à voir avec cette histoire. Ah, merde! Faut qu'on le craque, c'est tout ce qu'on a. On va deviner. Il a un chat, Mercer? Ouais, on va dire que j'ai rien entendu. Ah, et t'as une meilleure idée, peut-être? Moi, oui. Attendez. Alors, on a des problèmes? Dex, merci d'avoir livré la bagnole, mec. T'as fait vite. C'est grave? Écoute, là je dois voir une femme au sujet d'un ordi. Si elle est aussi douée en informatique qu'elle le dit, tu sauras vite de quoi il s'agit. La pièce est prête au moins? Attention, il n'y a pas de lot de consolation. Tu dois gagner. T'en fais pas, c'est dans mes habitudes. On verra. Allez, comme si c'était ta dernière course.
faut que je rattrape mon retard. Tu veux cette pièce ? Gagne-la. T'inquiète, j'ai tout le temps de revenir. Ça suffit pas. Wow, j'étais loin du compte là. Pensez à doubler là. Décidément, t'es une référence. T'es pas là pour rien. La pièce t'attend bien sagement au garage. Tu as d'autres trucs en réserve pour moi ? Plus tard, je passe en silence radio. Il semblerait que quelqu'un nous recherche. On va juste se faire oublier quelque temps. Mais j'en ai pas fini avec toi. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai besoin de ton aide. Et moi, j'ai pas besoin d'emmerde. Tous les flics de la ville te recherchent, figure-toi. Ouais, ça c'est parce qu'on a des preuves pour les faire tomber. On a un ordinateur qui contient de quoi envoyer Mercer au placard pour un bout de temps. Sauf que c'est protégé par un mot de passe. D'accord, je vois. Attends. Regarde, je viens de t'envoyer quelque chose. Pose ton téléphone à côté de l'ordinateur. En principe, il devrait le craquer en quelques minutes. Waouh ! Merci. L'important, c'est de tenir bon, ok ? Si vous pouviez faire plonger ces flics, c'est sûr, ça nous filerait un bon coup de main. Maintenant, tirez-vous. Du nouveau ? Je t'envoie un logiciel capable de craquer cet ordinateur. Pose ton téléphone à côté de la bête et il devrait l'ouvrir automatiquement. Ok, compris. Je suis en route. Je serai bientôt là. Je te mets sur HP. Il se passe un truc. On dirait qu'il sort de veille. On y est. Plus besoin de mot de passe. Je vois un tas de dossiers. Ouais. T'es un génie. Pas vraiment. Je connais un génie plutôt. Bon, on n'a plus qu'à trouver les bons fichiers et filer cet ordi à la presse en tant que preuve. Les journalistes vont juste halluciner. Attends, qu'est-ce que... Apparemment, un programme est en cours d'exécution. Police, hardware, tracker. Un programme à toi ? Je sais pas. Je crois pas. Toutes les unités 3-15, nous avons localisé les suspects de l'agression du lieutenant Mercer. Rendez-vous immédiatement à Cloud Bank Nord. Vous entendez ? Ils suivent l'ordi à la trace. On bouge ! Laisse-le ici ! Non. Changement de plan. On emmène l'ordi et on s'arrange pour envoyer les fichiers à la presse par email. Retrouve-nous au vieux centre commercial.
localisé. Le véhicule suspect est une Porsche rouge, se déplaçant vers le sud, de Cloud Bank à Edgewood Valley. Reçu, Centrale. La poursuite reprend. Bien reçu, Centrale. Je rejoins la poursuite. Jackson, Warren, c'est vous? Je croyais que votre unité ne sortait que la nuit. Je vais faire des heures supplémentaires, je suis pour coincer ces cercles. Plus de doute, ils nous ont trouvés. Tiens bon! Regarde dans le dossier document. Je suis nul en informatique, ok? Ils essayent de nous tuer! T'attendais du fair play de la part des potes de Mercer? Arrange-toi pour empêcher ces flics de nous envoyer dans le décor. M'en charge. Lucas, ça avance? J'ai trouvé l'adresse mail de quelques journalistes. Il me reste à trouver des fichiers compromettants pour Mercer. On se dépêche! Les bordereaux de la fourrière. Voiture, date, IMAT, identité, PV. Mais devinez quoi? Le nom de Mercer est partout. Envoie! Je déplace tout le dossier. Reviens qu'on ait une chance de s'en sortir. Maintenant. Cette voiture est construite pour durer. Elle encaisse bien les chocs. Que sais-je? Compris. Parle-moi, Lucas. Envoie en cours. Ça, regarde la route. Les flics nous font pas mal. Pas encore. Signalons des gaz suite à une collision avec le suspect. Jussel, attention, 32 signalés avec le suspect. Cela part, professeur. Lucas, on y est presque. Gagner du temps, la voiture tient le coup. QSL, en direction de l'ouest, par fort à la... Prends du plomb, ta pièce jointe. Le signal est faible, ok? Suspect n'a plus aucun... Ouais, j'ai vu. Ce soir, l'honneur bafoué de l'uniforme, alors qu'un policier haut gradé est en fuite. Le lieutenant Frank Mercer, chef de la fameuse unité spéciale anti-délinquance routière, a disparu après avoir été suspendu suite à des accusations de corruption. Ces mesures faisaient suite à la découverte de documents confidentiels envoyés aux journalistes de WFFL. La police refuse de commenter ces informations, mais nos journalistes supposent qu'il serait question d'extorsion et de vol organisé dans le milieu de la course clandestine que Mercer était censé démanteler. Dans un communiqué, elle déclare : « Le lieutenant Mercer sait qu'il est suspendu de ses fonctions,
et nous lui demandons de se rendre afin d'aider les enquêteurs. Dans le reste de l'actualité... Sœur est toujours en liberté, à ce qu'on dit. Fais bien gaffe à toi, ok? Il peut être n'importe où. Ah, et au fait, c'est bien d'avoir intégré la Ligue. Et d'avoir botté le cul de Mercer. Fais attention à ce qu'on ne botte pas le tien maintenant. Colle le pied au plancher et ne t'arrête pas. Tu fais partie de la Ligue. C'était peut-être pas une bonne idée d'en faire un sprint. J'attendais franchement mieux de ta part. Tu sais? Ça veut dire qu'on doit encore apprendre. Jusqu'ici, c'est bien. Si j'organise quelque chose, ça t'intéresse? Faut voir. Tu proposes quoi? Comme si tu le savais pas. Une autre cargaison va manquer à l'appel. D'autres pièces? Voiture. Je te préviens dès que ça bouge.